question du bail, s'il te plaît. Merci. Je suis ce qui s'appelle un chasseur de fantômes. Mais je ne suis pas un enquêteur comme les autres. J'ai fait des lives sur Facebook et j'ai pu vivre avec moi mon expérience paranormale. Bienvenue dans l'antre du paranormal. Alors du coup, non, je le pose pas comme ça au moins. Donc, bonsoir. Est-ce qu'il y a une présence, une entité ou un défunt qui accède d'entrer en contact avec nous? Est-ce qu'il peut aller sur le oui? Comment m'accuser à la télévision que je dirigeais la goutte, voilà, à savoir que j'ai pas le dos sur la goutte, hein, c'est au moins. Donc est-ce que vous pouvez aller sur le oui, s'il vous plaît? Ou le yes? Oui, ce yes ou oui. Alors, la personne qui est, les deux personnes qui m'entourent n'ont pas non plus le doigt sur la goutte, en face de moi non plus. Voilà, personne n'a le doigt sur la goutte. On a juste le doigt qui est au-dessus. Donc c'est pas une manipulation. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller sur le oui, s'il vous plaît, ou le yes? S'il vous plaît. Pas le TGV, lui, hein, par contre, hein. Oui, il présentait, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le soleil, nous montrer le soleil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous montrer le soleil? Revenir au milieu, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir au milieu de la Ouija. C'est bien. Je vais y passer un peu plus. Vous pouvez revenir au milieu. C'est votre prénom? Mmh.
monde. Ça commence par un D. Vous avez une deuxième lettre? On va retrouver la deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Non, est-ce que vous pouvez mettre la deuxième lettre de votre prénom? C'est Boris. Bon. Est-ce qu'on pourrait avoir la deuxième lettre de votre prénom? Voilà, deuxième lettre de votre prénom. Oui. Voilà, est-ce qu'on peut avoir votre année de naissance? Allez-y. Vous avez les chiffres en dessous. Et après, on regarde pas si vous n'êtes pas bien. Juste la même naissance. On va avoir votre année de naissance, s'il vous plaît. Vous pouvez aller sur le goodbye qu'on finisse, si vous nous autorisez à finir cette séance, que vous pouvez aller sur le goodbye. S'il y a quelqu'un qui est présent, est-ce qu'il peut aller sur le goodbye, s'il vous plaît? Allez-y. Vous pouvez aller sur le goodbye pour qu'on finisse cette séance. Je ne vais pas répondre, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? La place qui peut terminer cette séance. S'il vous plaît. Vous pouvez aller sur le goodbye, s'il vous plaît, pour arrêter la séance. Très sensible. Bah, voilà, et à peine on touche, voilà. Et là, c'est vrai que. Hein, on a pu, il n'y a personne avec des doigts dessus, mais c'est vrai que. Du coup, vous ne pouvez pas faire un membre d'une famille? Alors, du coup, c'est pas moi qui décide. Ah oui, voilà. Même avec le nom, voilà. Et tout ça, vous ne pouvez pas. Bah, le problème, alors, dans le cadre, alors, comme pour le guéridon, comme pour la Ouija. On n'est jamais sûr de qui on a. D'accord. Ils peuvent, voilà, dans le Ouija, ils peuvent donner un prénom. Ils peuvent se faire passer par quelqu'un. Oui, pour quelqu'un. Et que, voilà, les esprits farceurs, etc. Donc c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais tombé. Alors si. Mais s'il y a des questions. Je suis souvent sur ma mère, mais voilà. Des questions personnelles que la personne, elle sait. Oui, il n'y a que dans ce cadre-là, voilà. Il n'y a que dans ce cadre-là, dans le sens, voilà. Parce que du coup, ils peuvent se faire passer pour telle ou telle personne. Je crois qu'on a déjà vécu ça, n'est-ce pas? Du coup, il n'y a vraiment que des. Voilà, et du coup, vous posez la question vraiment précise, et ça va vous répondre, qu'elle en sait rien, ou ça va pas répondre, parce que du coup, une connerie. Donc là, du coup, il y a vraiment. Et bon, c'est quelque chose qui peut demander énormément de temps, puisqu'on peut passer des heures et des heures. Et puis,
l'information est notée et il est sûr de. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut en faire ou... Le problème, c'est que voilà, tout le monde n'est pas posé. Sur le oui, s'il vous plaît. Et moi, je ne touche pas. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît ? Allez-y. Est-ce que vous pouvez mettre la première lettre de votre prénom dans le rond, s'il vous plaît ? Allez-y. Mettez la première lettre de votre prénom dans le cercle ou pointez là, s'il vous plaît. Allez-y. M. La deuxième lettre. Maz, c'est pas un prénom déjà, Maz, non ? Voilà. Ça c'est fait. Du coup, voilà, vous avez ce genre de choses. Du coup, si vous disiez que ça n'existe pas, du coup, bah, au revoir. Ça, c'est des choses, voilà. On peut refaire une, voilà, on va essayer une dernière fois, parce qu'après du coup, il faut libérer les lieux pour les... Alors, est-ce qu'il... Il est déjà là encore. Oui, il est déjà là. Ça soit c'est le même. Oui. Ok, vous êtes là, vous me montrez le soleil, c'est bien. Ok, est-ce qu'on peut avoir la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît ? Z. Alors, la deuxième. La quatrième, ah non, avec un X, avec un Z. La quatrième. Oui. Ça ne veut rien dire du tout. C'est pas un prénom, ça me perd. Voilà. Encore, il t'a pas sorti Zoro. Hein. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va essayer une dernière fois. Donc, on aimerait, oui, bien sûr. On aimerait voir une entité sérieuse, si c'était possible, qui ait quelque chose à nous dire, qui soit indépendante de l'une des membres.
arbre ici. Okay. On peut avoir la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. M, ensuite. Deuxième lettre, est-ce qu'on peut avoir la deuxième lettre? O. C'est M, c'est ça? Oui, c'est O. La troisième. C'est quoi la lettre? M. Mom. M. M ou M. Mom. Quatrième. Maman. C'est maman. Moi, ce que j'avais dit, maman. C'est maman. Maman qui? C'est maman à qui? Est-ce que vous pouvez pointer si la personne elle est autour de cette table? Est-ce que... Elle. Lol. C'est maman, donc ça peut être un enfant, hein, ou un jeune homme. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Oui. 15 ans. 16 ans. 16 ans. Garçon. Non. Non. Fille, alors. Ah, c'est une fille. D'accord. Est-ce que vous trouviez quelqu'un qui est ici présent dans cette pièce? Non. D'accord, vous êtes une entité passante. Vous avez un message à nous délivrer? D'accord. Donc vous êtes venu nous faire un petit coucou parce qu'on demandait à une entité ou à un défunt pour faire contact avec eux. Est-ce que ça s'amuse bien? Vous êtes heureux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rattache ici? Est-ce que c'est relié à votre famille? Et vous êtes de quel département? C'est ça. C'est un accident. C'est un accident. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui tue. Merci. Ah, ça. Je vais pas sur la suite. C'est quelqu'un. Alors, soit Azazel. Donc un démon. Ah ouais. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui. Voilà. Parce que du coup, elle n'est pas morte d'accident. Mais si c'est, ça peut être quelqu'un qui a fait. J'ai fait appel à ça pour où est-ce que c'est rentrer, ça. Ouais. Bon.
Voilà.